Assalamu alaikum, shalom, que la paix de tous soit sur vous, frères et sœurs d'humanité. C'est l'histoire d'une famille, comme il y en a des centaines et des centaines et des centaines et beaucoup trop en France. Une famille brisée par la ZEU. C'est l'histoire de Grégory Guigou et de ses enfants qui ont été placés injustement à la ZEU, dans des foyers. La maman, elle n'a pas supporté et elle est décédée. Ce papa campe depuis septembre devant le tribunal de Draguignan. Et aujourd'hui, il vient de se faire arrêter. Mais avant ça, il avait des messages à faire passer. Moi, je suis une petite chaîne et j'aimerais que des chaînes avec beaucoup de vues puissent reprendre l'histoire. Je crois qu'il y a Olive Olive qui a repris l'histoire de Grégory. Il y a aussi Julie et Lilou. Julie, les cafés du matin. Je crois que Julie est sur TikTok maintenant. Enfin, il faut aider ce papa, il faut aider ses parents. Ce papa en colère, ses parents à qui sont brisés, des familles entières brisées. Les enfants sont placés dans des foyers où ils ne sont pas forcément en sécurité. Et ben là, je vais vous faire montrer plusieurs vidéos de Grégory, de sa maison insalubre, notamment, du décès de. Le décès de la femme de Grégory, de la maman de ses enfants, de leurs enfants. Et donc, je vais, comme je vous disais, je vais vous montrer la maison insalubre et puis l'arrestation de Grégory aujourd'hui. C'est une histoire tragique parmi tant d'autres. Ce qui arrive à Grégory peut arriver à n'importe qui. Je dis bien à n'importe qui parce que l'enfant est un business, la ZEU est une mafia. Je le dis clair et net, hein, la ZEU est une mafia. Faites attention à vos enfants. Il suffit d'un signalement, vous savez, il suffit de pas grand-chose. Les enfants ne sont pas la priorité en France. Vous avez dû vous en rendre compte. Le combat continue, malheureusement. Frères et sœurs d'humanité, ça ne peut plus continuer comme ça, d'accord? Il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités, ouvre les yeux sur ce qui se passe. Une maman est décédée, deux mamans, trois mamans, un papa, trois papas, un enfant, deux enfants, quatre enfants, 10 enfants. Jusqu'à quand? Combien de morts faudra-t-il avant que vous vous apercevez qu'il n'y a pas de protection de l'enfance? Tout est une histoire de business. C'est triste où on en est arrivé et qu'il y ait aussi peu de voix qui s'élèvent. On a l'impression de crier dans le désert depuis des décennies et personne n'entend personne. Alors je vous en prie, aidez-nous, aidez-moi à les aider, s'il vous plaît. Que cette maman repose en paix. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Guigou et ça fait 1 an et 9 mois que j'essaye de récupérer mes enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de la maison où vivaient les enfants. Donc bon, ben là, on arrive. Et du coup, bon, ben, l'aide sociale à l'enfance avait décrit cette maison qu'à la limite de l'insalubre. Donc j'aimerais vous montrer où vivaient les enfants. Donc je pense que ça va être quand même assez quelque chose. Donc là, on arrive. Bon, ben là, c'est la maison. Voilà, ça c'est la maison où vivaient les enfants. Donc voilà. Je vous montre un peu, je vous fais faire le tour. Je vais pas vous faire visiter toute la maison non plus, mais au moins une partie. Donc voilà, c'est la maison où vivaient mes enfants, donc où on vivait. Hein. Donc voilà, donc là il y a la terrasse, le terrain de boule qui est derrière ici. Voilà, terrain de boule. Donc bah, là c'est la terrasse. Au bout là-bas, on fait le potager juste derrière. Donc bon, bah, là la terrasse.
où on organise les anniversaires. Bon, mais là, il y a mon papa. On est en train de réparer la piscine, c'était un souci. Donc voilà, ça c'est un petit peu la maison, je vais vous montrer le reste. Donc bah, là, on fait le tour de la maison. Bah, là, on a une deuxième entrée. Donc voilà, là c'est là où on garde les voitures. Là, c'est la deuxième entrée. Donc voilà, je vais un petit peu visiter l'intérieur. Donc bon, bah, là, on rentre dans la maison. Donc voilà, ça c'est tout mon grand-père qui a fait tout le plâtre, voilà, une maison un peu courante comme tout le monde. Et bon, vous pourrez regarder sur mes vidéos sur Facebook ou des vidéos de tous les anniversaires de mes enfants un petit peu. Voilà, donc ça c'est la maison où vivaient les enfants. Donc voilà, une maison, bon, je vais pas tout vous faire visiter. Après, bon, ben là, il y a l'étage, bon, il y a un petit peu de conneries. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Bon, ça, c'est ma maman. C'était pour vous montrer un petit peu, voilà, où vivaient les enfants. Voilà, donc, c'est une maison décrite à la limite de l'insalubre par l'aide sociale à l'enfance. Hein, donc, voilà, le sol était sale, soi-disant, toutes les accusations mensongères qui puissent exister. Donc, voilà, au moins, vous savez où les enfants peuvent être accueillis. Voilà, c'est une maison qui est quand même assez belle. Vous verrez aussi sur mes vidéos que nous avons rien changé depuis que les enfants ont été placés. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a aucune peinture qui a été refaite. Il n'y a aucun arbre qui a été planté. C'était exactement comme ça quand les enfants sont partis. Voilà, je vous remercie à tous. Au revoir. Bonjour à tous. Je m'appelle Grégory Gouy. Ça fait 1 an et 9 mois que j'essaye de récupérer mes enfants. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre. On va me faire arrêter d'un instant à l'autre parce que voilà, j'essaye de récupérer mes enfants, voilà, de clamer mon innocence, et mon avocat l'a très clairement démontré. On a passé par toutes les manières juridiques. Ma mère a fait des demandes d'être tiers digne de confiance. Le juge n'a jamais répondu. Donc voilà, aujourd'hui, essayez de partager un maximum. Voilà, on va essayer de me placer en garde à vue. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Voilà, si on me retrouve pendu dans ma cellule ou que je tombais dans les chiottes, ils n'hésiteront pas. Ils sont prêts à tout pour me faire taire. Parce que quand on dit la vérité dans ce pays, eh ben voilà, on vous attaque, on vous met en prison. Voilà, les criminels, on les relâche. Mais par contre, les papas qui demandent gentiment, sans bruit, à passer un message dans le domaine public, à clamer la récupération de leurs enfants, voilà, on les emprisonne, voilà ce qu'on fait. Voilà, donc dans les prochaines heures, on a signifié que si je comptais rester, ben on allait m'arrêter. Ben, de toute façon, comme mon grand-père l'a dit, pour la cause, il faut savoir donner sa vie. Alors, ben, si je dois mourir, passez un message à mes enfants, voilà, vous leur dites que papa, ben, il s'est battu comme un homme et qu'il les aime très fort. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Gouy, ça fait 1 an et 9 mois que j'essaye de récupérer mes enfants. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre, on va me faire arrêter d'un instant à l'autre parce que voilà, j'essaye de récupérer mes enfants, voilà, de clamer mon innocence, et mon avocat l'a très clairement démontré. On a passé par toutes les manières juridiques, ma mère a fait des demandes d'être tiers digne de confiance, le juge n'a jamais répondu. Donc voilà, aujourd'hui, essayez de partager un maximum. Voilà, on va essayer de me placer en garde à vue. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Voilà, si on me retrouve pendu dans ma cellule ou que je tombais dans les chiottes, ils n'hésiteront pas. Ils sont prêts à tout pour me faire taire. Parce que quand on dit la vérité dans ce pays, eh ben voilà, on vous attaque, on vous met en prison. Voilà, les criminels, on les relâche. Mais par contre, les papas qui demandent gentiment, sans bruit, à passer un message dans le domaine public, à clamer
de la récupération de leurs enfants. Voilà, on les emprisonne. Voilà ce qu'on fait. Voilà, donc dans les prochaines heures, on a signifié que si je comptais rester, ben on allait m'arrêter. Ben, de toute façon, comme mon grand-père l'a dit, pour la cause, il faut savoir donner sa vie. Alors, ben, si je dois mourir, passez un message à mes enfants. Voilà, vous leur dites que papa, ben, il s'est battu comme un homme et qu'il les aime très fort. Merci à tous. Ivana, viens là. Ivana. Ivana, viens là. Ivana. Madame, vous nous videz la tente. Madame, vous nous videz la tente. Allez vider la tente, monsieur. Est-ce que vous voulez la prendre ou vous voulez la prendre? Non, non, je vais la prendre, monsieur. Ah non, c'est une preuve, madame. Il y a des vitrines dessus, on est obligé de la prendre. On a prévenu votre fils ce matin, madame. On lui a dit que c'était contre le pire. Arrêtez de me filmer trop près, madame, parce que sinon je vous embarque aussi. Par contre, celle où il y a les photos, je la garde. Celle où il y a les photos, je la garde. Ça, c'est vous qui disiez, Parce que c'est les photos de mes petits-enfants. Oui, oui, mais moi, je veux mes photos. Moi, je garde mes photos, monsieur. Oui, non, c'est fait. Je vais vous couper. Je vous dis que je ne peux pas le faire volontairement. Les photos, il n'y a rien de marqué dessus. C'est juste les photos de mes petits-enfants. D'accord. Donc je garde les photos. Je vais voir avec mon patron, d'accord. C'est pas moi qui décide. S'il est d'accord, il n'y a pas de souci, je vous les rends. Parce qu'il n'y a rien marqué dessus, oui, monsieur. Je sais.